Okay. Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue. On va juste donner quelques secondes pour laisser les gens se connecter. Karine, est-ce que c'est possible de mettre le premier diapositive? Parce que je vois l'autre d'Adolphe. Karine, we don't hear you. Oui, je disais bien, c'est une bonne idée pour ceux qui veulent en attendant que l'on commence. Il y a encore des gens qui se connectent, si vous voulez, et que vous présentez dans le chat, ça fera plus convivial parce qu'on ne peut pas vous voir. Donc, c'est bien d'avoir un petit mot, de savoir qui nous a rejoint. Et on commence d'ici quelques secondes. OK. Très bien, je propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire en français pour partager l'expérience du Rwanda. Donc, rapidement, je me présente, je suis Karine Gachin, je travaille à Gavi au niveau de l'équipe du renforcement du système de santé. Je suis point focal sur la santé, sur l'information sanitaire numérique et le système d'information. Et vraiment, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour Gavi de vous présenter tout ce travail fait avec le gouvernement du Rwanda, UNICEF, OMS et ISP. Vraiment, c'est un travail qui a vraiment intéressé beaucoup de monde et on avait voulu partager cette expérience en français aussi. À la fin, on partagera toutes les questions et les réponses, on partagera toutes les présentations et un lien avec la vidéo. Donc, je voulais juste insister que le travail sur le suivi en temps réel des campagnes de vaccination ou des autres campagnes est vraiment une priorité pour Gavi. Ça fait partie de notre priorité sur notre nouvelle stratégie d'information sanitaire numérique. Et c'est vraiment un travail très important. Cela avait commencé avant le Covid, avec surtout le travail que Raquel et Imran de UNICEF avaient commencé. Et bien sûr, avec le Covid et toutes les campagnes de masse qui sont intervenues, ce travail a été encore plus important. Et vraiment, la priorité, c'est de vraiment comprendre ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché bien au pays, pour pouvoir partager cette expérience avec tout le monde. Voilà, donc je donne le floor à Raquel qui va animer ce webinaire. Merci. Oui, merci Karine. Bonjour, bon après-midi et bonjour à tous. Je m'appelle Raquel Wexler du DCOE, du Centre d'excellence numérique du siège de la division d'information et de la communication de UNICEF. Mon rôle au sein de la DCOE, c'est de travailler sur le renforcement, la planification et la coordination des systèmes. Le DCOE est une unité du siège de la division de TIS de UNICEF, très actif sur le terrain. Le DCOE collabore avec les équipes de programme de UNICEF et les partenaires nationaux pour soutenir la transformation numérique des programmes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques exemples de transformation numérique des programmes. Je suis ravie que nous puissions proposer une version française de cette webinaire aujourd'hui qu'on avait fait il y a quelques semaines en anglais. Ah, nous assisterons à une très riche présentation-discussion avec la participation du gouvernement du Rwanda, de l'OMS Rwanda, du ISP, d'Alliance Gavi et de UNICEF. J'invite chacun à se présenter pour commencer son intervention. Le prochain diapositive.
OK, super. Nous avons ici, ah non, je sais, c'est le dernier, pardon. Nous avons ici la structure du webinaire, incluant les présentations de l'OMS Rwanda, de l'UNICEF Rwanda, deux présentations du ministère de la Santé du Rwanda, du IFS Rwanda, suivies d'une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion pour poser des questions. Nous ferons de notre mieux pour y apporter des réponses au cours du webinaire et ainsi que pendant la séance de questions-réponses à la fin. Après. OK, merci. Au cours de l'année passée, l'Alliance Gavi et UNICEF ont contribué à la consolidation des leçons et des bonnes pratiques sur l'utilisation des approches et outils de suivi en temps réel pour renforcer les campagnes de vaccination à travers les pays, les différentes phases de la campagne et les scénarios d'utilisation. L'année dernière, Gavi et UNICEF ont publié un document intitulé « Utilisation des technologies et approches numériques pour un suivi en temps réel des activités de vaccination supplémentaires, bonnes pratiques et leçons apprises ». En plus d'un examen exhaustif de la documentation entreprise pour l'Université Johns Hopkins, les études cadres pratiques des pays se sont penchées sur le déploiement d'une série d'approches de RTM qui utilisent les solutions numériques au Pakistan, en Ouganda, en Indonésie et en Zambie pour non seulement améliorer la collecte des données, mais aussi leur utilisation dans la prise de décision et pour améliorer l'efficacité des programmes. En fait, ce travail a pour but de soutenir le renforcement des systèmes et des capacités nationaux à l'aide des approches et outils numériques, mais aussi à garantir que notre action de programmation numérique et de suivi en temps réel est alignée sur les systèmes nationaux et l'infrastructure nationale d'information sur la santé actuellement en place. D'autre part, nous sommes agnostiques sur le plan technologique et nous cherchons à soutenir la plateforme ou la solution numérique la mieux adaptée aux exigences du gouvernement national et à l'architecture d'information du système en santé existante. Tout récemment, nous avons également publié un important rapport destiné à accompagner les documents des leçons apprises intitulé Planification et mise en œuvre des approches de RTM pour renforcer les campagnes de vaccination, guide pour les partenaires nationaux. Beaucoup de nos partenaires ont sollicité des conseils pratiques et un soutien pour la mise en œuvre d'approches de RTM grâce à l'utilisation des technologies numériques. Et nous espérons que ce document servira de référence. Et le document est en cours de traduction en français. Il sera bientôt disponible. Et le prochain. OK. Merci. En parlant des avantages et l'utilisation de RTM, ils sont nombreux. Je vais seulement mentionner quelques-uns. Par exemple, pour améliorer l'amélioration de la planification, la réalisation des objectifs de campagne, amélioration de la prestation des services, meilleure qualité des données et une opportunité de changement de cap et d'actions correctives. Des études menées dans différents pays montrent que le suivi de données en temps réel permet une prise de décision et une gestion plus adaptive. Et avec la vaccination en cours contre le COVID-19 et la nécessité d'accélérer les apprentissages et l'adoption des outils numériques pour la planification et le suivi en temps réel afin de soutenir le déploiement et la distribution des COVAX et la réponse au SIDA, au COVID, nous sommes conscientes de l'importance de consolider rapidement les leçons en fonction des expériences de différents pays et de rendre cette leçon rapidement accessible. Gavi, l'OMS et UNICEF ont entrepris de documenter
rapidement l'expérience du pays à l'aide des technologies numériques pour la RTM et à la réponse au COVID-19. Ainsi, nous admirons le travail du Rwanda pour sa collaboration avec nous dans le cadre de l'élaboration de cette étude de cas et une note de synthèse pour son expérience et leçons apprises et du lancement de ce webinaire aujourd'hui. Ce travail en faveur de RTM est une action interdisciplinaire pilotée par les équipes d'immunisation, santé et TIS de UNICEF. Je tiens à remercier mes collègues Imran Mirza qui a joué un rôle important dans le soutien de cet effort multi-pays et Katie Leach qui a rédigé la note de synthèse. Et pour finir, ce travail n'aura pas pu être réalisé sans le soutien technique et financier de l'Alliance Gavi. Nous tenons à remercier les équipes de l'Organisation mondiale de santé et de UNICEF, le siège, le bureau régional et le pays, pour leur contribution, ainsi à nos partenaires nationaux du gouvernement du Rwanda et de l'ISP, qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous aujourd'hui. Et maintenant, j'invite à l'Alliance Gavi à parler du Centre d'excellence en santé numérique d'ICE. Merci. Oui, donc vraiment, je me fais porte-parole pour l'OMS et l'UNICEF qui ont mis en place et qui gèrent ce centre d'excellence en santé numérique que l'on appelle DICE. Donc, rapidement, qu'est-ce que le centre de santé d'excellence en santé numérique? C'est un consortium qui est multi-agence avec un secrétariat qui est co-hébergé par l'UNICEF et l'OMS. Donc, l'UNICEF se charge un peu des activités quotidiennes et l'ensemble est fait par l'OMS et l'UNICEF. Le but de DICE est de fournir un soutien coordonné et normalisé pour les gouvernements, pour aider vraiment à préparer le déploiement des technologies numériques les plus avancées, les matures, on va dire, les prouvées, pour soutenir la vaccination COVID-19. Et en fait, DICE s'aligne vraiment sur les organismes donateurs et aide les gouvernements. Tous les gouvernements peuvent faire appel à DICE pour identifier et demander un financement pour les déploiements. Donc, en fait, ça, c'est vraiment une vue d'ensemble sur l'ensemble des types d'assistance technique que DICE peut fournir, qui vont aider, bien sûr, sur la mise en œuvre de la vaccination COVID-19. Donc, il y a tout ce qui est micro-planification, la gestion de la logistique, la détection des contrefaçons, les certificats de vaccination, monitorer en temps la couverture, dont le monitoring en temps réel qu'on vous présente ici, tous les apprentissages à distance pour les personnels de santé, les prestations de services de santé et la mobilisation communautaire. Donc, c'est tout l'ensemble des domaines où DICE peut vous soutenir. Et donc, DICE va, vous aurez les détails de la diapositive, mais vraiment les domaines où DICE peut vraiment prendre en charge, c'est l'analyse des besoins, des problèmes et des résultats escomptés. Ils font aussi une évaluation des plateformes numériques avec les parties prenantes et du coup, un soutien à la préparation pour le déploiement des solutions techniques qui seront choisies. Et dans l'ensemble, bien sûr, l'idée, c'est de soutenir le renforcement des capacités du pays et la formation et l'échange de connaissances dans les pays. Alors, DICE est donc, on a vu, un consortium et donc il est soutenu par l'ensemble de ses partenaires et du secteur. Partenaires ont contribué depuis le début de l'épidémie COVID-19 à mettre ce soutien en place. Alors, comment faire pour demander de l'aide à DICE? Donc, vous pouvez envoyer un email à l'email qui s'affiche ici, là. Vous pouvez aussi aller sur le site web, donc vous retrouverez la partie contact. Et après, vous pouvez bien sûr, les gouvernements savent où pouvoir faire ces demandes-là. Et on rappelle bien sûr que toutes ces demandes doivent vraiment être alignées avec les plans nationaux de déploiement de la vaccination COVID-19. Donc, je vous remercie au nom de DICE et je passe la main au docteur Vedaste, qui est à l'OMS Rwanda. À vous, docteur. Merci, merci pour la parole. Bonjour à tous, bon après-midi. Je m'appelle Vedaste Ndahindwa, je suis agent de l'OMS Rwanda
en charge de la riposte épidémique. Je vais aussi vous parler de l'expérience sur la digitalisation et l'utilisation réelle, en temps réel, de données dans la riposte et aussi dans la campagne vaccinale. Le Rwanda a vraiment beaucoup à partager sur son expérience en matière de surveillance en temps réel, vu son expérience acquise au cours des dernières années et plus particulièrement au cours de la riposte de l'épidémie COVID-19. La mise en place des solutions numériques dans le pays avait commencé bien avant la pandémie COVID en utilisant certains systèmes officiels qui étaient mis en place pour la surveillance épidémique et aussi pour la gestion des données. La riposte du Rwanda au COVID-19 et le succès du déploiement de la vaccination sont le résultat d'abord d'un engagement politique et des structures solides de distribution des vaccins, y compris ces solutions numériques que nous abordons aujourd'hui. Juste après la déclaration de l'épidémie du coronavirus à Wuhan, en Chine, le Rwanda avait instauré la surveillance numérique aux portes d'entrée nécessairement, plus principalement à l'aéroport international de Kigali. Il y avait une demande croissante d'établissement des systèmes de données pour le suivi des cas, des contacts, et aussi pour la gestion des patients pour les cas qui étaient détectés. Pour répondre à cette demande, le gouvernement du Rwanda, avec le soutien d'autres partenaires, avait établi différents systèmes basés sur les plateformes existantes et les ressources disponibles, notamment le DHS2 et l'IMA, qui étaient déjà instaurés et utilisés au Rwanda. La gestion des données de vaccination COVID-19 a été intégrée dans les plateformes du système d'information sanitaire pour assurer l'enregistrement, la communication en temps réel des données de la vaccination. Les données qui étaient enregistrées étaient surtout des données individuelles, pour générer aussi des numéros d'identification uniques, une notification automatique par messagerie et pour les données, pour les doses suivantes et les certificats de vaccination qui étaient octroyés une fois la série de vaccinations était terminée. Le système de gestion de données, la gestion de données de la vaccination a été le témoin d'une efficacité de ce système. Nous disons que le système était lié à l'Agence nationale d'identification pour lequel il pouvait extraire des informations démographiques des bénéficiaires des vaccins, et ce qui était crucial pour relier les informations du bénéficiaire et les programmes vaccinaux. Les outils informatiques étaient disponibles et accessibles sur le territoire et toutes les informations sanitaires étaient centrées au niveau central pour la bonne gestion de ces services vaccinaux. La numérisation et les données de l'information en temps réel ont montré leur grande importance pour permettre une riposte plus rapide à la COVID-19 en général et pour gérer les données de la vaccination contre le COVID-19 en particulier. Différents exemples peuvent être cités, notamment que le Rwanda a été mentionné parmi les pays qui ont mieux géré la pandémie COVID-19. Le Rwanda est l'un des 5 seuls pays africains à avoir atteint l'objectif de l'OMS de vacciner 40% de la population à la fin de l'année passée, au 31 décembre 2021. À ce jour, nous sommes à plus de 63% de la population totale, totalement vaccinée, et le pays est sur la bonne voie pour atteindre le prochain objectif de l'OMS de vacciner au moins 70% de la population nationale d'ici le 31 juillet de cette année. La notification quotidienne des cas n'a été possible qu'en raison de la disponibilité de l'utilisation des solutions numériques. On a évité les doubles comptages et amélioré l'interopérabilité des systèmes dans le pays.
Les partenaires et les parties prenantes ont été mises à jour quotidiennement, de façon hebdomadaire aussi, ou à tout moment grâce à ces solutions numériques. Cette situation a été possible grâce à la planification efficace, à la facilitation et à la mise en œuvre, au suivi quotidien de l'activité de vaccination en utilisant les outils informatiques disponibles. La recommandation que nous apprenons à partir de l'expérience acquise est qu'il doit y être mis en œuvre à toute l'échelle nationale des solutions numériques et aussi à pouvoir améliorer l'utilisation des données à l'échelle nationale en améliorant la formation des gens pour au moins que sur toutes les échelles nationales, les données puissent être utilisées pour le bon suivi des cas et pour aussi étendre cette surveillance sur toute autre forme de maladie et renforcer en général l'utilisation de ces systèmes numériques. C'est ici que prend fin mon allocution et je voudrais passer la parole au prochain orateur pour le suivi des présentations. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Menela Sinkeshimana. Je suis médecin interniste chargé de la prise en charge clinique des patients atteints de la COVID au Rwanda. C'est une sous-cellule du poste de commandement national pour la riposte contre la COVID-19. Je vais surtout partager avec vous aujourd'hui notre expérience qui va sans doute refléter ce qu'on vient de dire, que la solution numérique, c'était vraiment au centre de la riposte au Rwanda. Et grâce à ces solutions numériques, on a pu se battre contre la COVID-19 de façon vraiment très efficace. On va parler de l'expérience de la COVID et les solutions numériques dans tous les piliers de la riposte, les problèmes qu'on a eus, les enseignements tirés quand on avait appliqué les solutions numériques dans la riposte contre la COVID-19. Comme tout pays ici présent, on a eu recours à des mesures de santé publique avec objectif de décélérer un peu la propagation de la COVID-19, la transmission de la personne d'une personne à une autre, notamment le lavement des mains, le port du masque pour tout le monde au pays, distanciation physique, surtout dans les endroits un peu avec une densité de personnes, dépistage généralisé, les gens pouvaient aller se faire tester avec des symptômes ou dépistage que le système activait, dépistage en masse, surtout dans les endroits jugés à haut risque. Et aussi l'innovation, comme je viens de le dire, qui était au centre de tout ce qu'on faisait avec des solutions numériques. Sur la photo, vous voyez sans doute une drone qui circule sur un territoire à Kigali, qui circule avec un haut-parleur attaché dessus qui diffusait des messages de prévention. Tu vois, avec les drones, avec du poste de commandement des drones, tu peux surveiller une étendue et remarquer qu'à un moment donné, dans un endroit, il y a des gens qui sont entassés. Et puis, tu peux diffuser des messages qui vont aider les gens à se disperser ou à porter des masques comme il faut. Vous voyez aussi sur les photos les stations de lavement des mains, surtout c'est très important dans les endroits où il y a beaucoup de gens comme les stations, des bus, des centres commerciaux et tout. Et la distanciation physique aidée avec des traces sur le terrain, tu marques en blanc les gens où doivent se stationner pour qu'on ait cette notion de mettre un mètre, deux mètres entre la personne et l'autre. Évidemment, les robots, on a eu recours à des robots
dans les aéroports, les centres de traitement. Et c'était vraiment très important parce que non seulement ils peuvent diffuser les messages de prévention, mais aussi ils peuvent faire une sorte de patrouillage, voir si tu te présentes devant un robot et tu ne portes pas le masque comme il faut. Le robot va te donner une réflexion, il va dire à haute voix, tel, il faut bien porter le masque. Hein? Il faut bien porter le masque. Donc, ça a aidé les gens à être éveillés à tout moment. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour nous au Rwanda. Dans les centres de traitement, les robots pouvaient aussi distribuer des médicaments parce qu'il y a des robots avec des fonctions de bras étendus. Tu peux mettre les plateaux et mettre des médicaments, du Panadol. Tu peux envoyer facilement dans le red zone, dans la zone rouge où les patients sont pris en charge. Au Rwanda, on a eu 4 vagues, comme beaucoup d'autres pays. Et tout ce qu'on faisait pour maîtriser ces vagues, c'est parce qu'on avait accès à l'information très en temps réel du côté surveillance du territoire. Et aussi, ça t'aide à faire des décisions à temps. Aussi s'évaluer, une sorte d'évaluation pour voir si les décisions qu'on a prises au temps qu'il faut ont porté fruit comme on le voulait, qui veut dire aussi contrôler les vagues. Les deux vagues qui sont un peu pointues, la troisième c'est le Delta, vous savez, c'est venu avec beaucoup de cas dans tous les pays, et la dernière vague, qui est la quatrième vague qu'on vient de maîtriser d'ici, c'est la vague Omicron. Et avec tout ce qu'on a eu comme expérience, rien ne s'opère. On garde toutes nos habitudes, toutes nos pratiques qui donnent un rendement agréable pour répondre à d'autres vagues qui peuvent venir demain ou après-demain. Maintenant, on parle d'Omicron BA4, BA5, si ça provoque une vague, avec tout ce qu'on a eu comme expérience, qu'on va partager avec vous en tout moment, on peut contrôler d'autres vagues d'ici et demain. Je voulais partager avec vous qu'on avait eu la surveillance, pas de la surveillance en forme de nombre qui a été malade, à quel endroit. On a eu la chance avec la solution numérique, on avait toujours nos yeux sur toute l'étendue du territoire par district, tous les districts du Rwanda. On va transformer ces données en code coloré. Rouge pour dire c'est une incidence très élevée, orange après le rouge c'est aussi élevé, l'orange c'est plus ou moins, et vert c'est une incidence, c'est la pandémie dans cette zone un peu contrôlée. Et chaque fois, et c'est visuel, ça aide les gens qui vont prendre des décisions. Par exemple, si tu vois une région qui reste rouge ou orange, tu sais qu'il faut encore faire mieux. Il faut peut-être beaucoup vacciner parce que les gens ne sont pas vaccinés à une couverture ou à une vitesse qu'il faut, surtout les zones transfrontalières qui connaissent des mouvements un peu très fréquents. Et pour les zones ou les districts qui sont colorés en vert, c'est pas le temps de dormir, il faut travailler, il faut maintenir les structures en place, les mesures en place pour que ça reste. Ça reste en couleur verte. Et ça aide aussi la population à s'auto-évaluer. Par exemple, si j'habite dans une zone qui est toutefois rouge, je sais que je ne fais pas assez, je dois travailler, je dois collaborer avec les autorités sanitaires locales, je dois respecter les autres et se faire tester s'il le faut, se faire vacciner, se faire booster quand il faut, parce que tout le monde veut habiter dans une région verte. Aussi, on va entrer un peu beaucoup plus dans l'utilisation des outils numériques pour la lutte contre la COVID-19 au Rwanda. Comme mon collègue l'a dit, on avait accès, par exemple, le hotline 114, c'est accessible à tout le monde, c'est pas payant, tu peux appeler avec un problème lié à la vaccination, lié aux symptômes de la COVID, lié quel que soit le problème, tu peux appeler, tu as toujours quelqu'un à l'autre bout du fil qui va te répondre et attend pour
faciliter, répondre à tes besoins, aussi faciliter l'accès aux tests si c'est ça le problème. On a utilisé aussi le WhatsApp plateforme pour disséminer les messages, connecter les régions, les districts, les provinces, les postes de commandement des cellules pour que le message passe à temps et que la décision est prise à temps. Vous connaissez le PLF qui est le Passenger Locator Form. Surtout ceux qui ont voyagé au Rwanda, c'est très important de mettre les données dans le passenger locator form, les formations liées aux symptômes, vaccination, le test que tu as fait, et puis tu as un code qui va faciliter les compagnies de voyage, SN Brussels, KLM, à honorer ton voyage, te faciliter pour que tu puisses voyager au Rwanda et même sortir au Rwanda. Et puis, au fait, on a eu aussi accès au système beaucoup plus dynamique, comme le DHIS2, qui a remplacé le LAS, le Laboratory Information System, qui était vraiment très manuel, qui était vraiment très difficile et qui avait créé pas mal de problèmes, qui est probablement une plateforme qui a renforcer le besoin d'adopter des solutions numériques pour être beaucoup plus efficace. Le système Welltel que beaucoup d'entre vous connaissent dans le suivi des cas de VIH dans le passé a été très utile pour suivre les gens qui avaient la COVID-19 au Rwanda de jour au jour. S'ils ont des symptômes, tu envoies des messages automatiquement, tu as des réponses et tu peux coder tes réponses en rouge ou en vert et des réponses qui nécessitent un suivi face à face où l'équipe va chez le patient voir qu'est-ce qu'il y a parce que tu as mis un symptôme, par exemple, je suis en détresse respiratoire. Tu mets dans le système Welltel, ça c'est très grave, ça va entraîner une visite automatiquement face à face à la maison du malade pour s'assurer que le malade est tout en sécurité. Ça, c'est facile pour donner ce que je viens de dire de façon très rapide. À gauche, vous avez le système qui était, disons, un peu beaucoup plus manuel, qui était problématique au début. Tu vois, il y avait tout un échelon de sample collection au résultat. C'était tout un processus. Et à droite, vous avez un système beaucoup plus simplifié, qui est plus automatisé, qui est plus apprécié par les malades au Rwanda et par tout le monde qui va faire le test de COVID au Rwanda parce que c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté, comme je viens de le dire? Et c'était avec l'ancien système manuel et semi-automatique, c'était un processus très, très long. Et il y avait beaucoup d'étapes qui se répétaient inutilement avec le staff qui disait « moi, j'ai fait ceci pendant 20 ans, je ne vais pas changer ». Il y avait une petite résistance, je dois le dire. Il fallait travailler pour convaincre les gens que le travail de riposte pourrait être beaucoup plus facile pour tout le monde et beaucoup plus apprécié par la personne qui utilise les services sanitaires dans le temps de COVID. L'opération difficile pendant le traitement des échantillons, tout un tas d'échantillons qu'il faut coder, qu'il faut écrire, qu'il faut enregistrer dans les registres avec un stylo, qui était vraiment inutile, qui pouvait être beaucoup plus facile. Difficulté à déterminer l'origine des échantillons urgents et spécifiques, parce que tous les échantillons n'ont pas la même notion d'urgence à traiter. Par exemple, quand tu traites une échantillon de quelqu'un qui avait des symptômes, qui est potentiellement en contact avec les autres, il faut déterminer le statut COVID beaucoup plus vite possible pour que le patient ne passe pas la maladie à l'autre. Et l'adaptation des résultats qui étaient très, très longs. Et là, ce n'était pas vraiment apprécié par les utilisateurs de nos services. Et le mécontentement des patients était aussi l'une des choses qui nous a poussé encore plus à adopter des solutions numériques plus efficaces et plus rapides. Et aussi, il y a eu une charge de travail pour les techniciens. Ils n'appréciaient pas à faire des enregistrements et encore, et faire des vérifications manuelles et encore. Donc, quand il y a eu cet automatisme dans le processus de traitement des données, des échantillons, ça a facilité la tâche aux techniciens de laboratoire. Et quand quelqu'un est content d'utiliser quelque chose, bien sûr, il va
non seulement utiliser de jour en jour, mais aussi il va encourager ses collègues à utiliser, à adopter ces solutions numériques. Ça, c'est un aperçu, l'enregistrement des échantillons avec un Android. Tu mets toutes les données, les dates, les échantillons, et puis c'est visible à tout le monde, c'est visible au labo avec un code qu'on a généré, c'est visible au centre de commandement, c'est visible par tout le monde et en temps réel. Les résultats, chaque fois, quand tu t'enregistres pour faire un test de COVID, par exemple, ou tu t'enregistres pour être vacciné, tu as un message direct sur ton téléphone et en Kinyarwanda, dans une langue que tu comprends très bien, c'est en français, c'est en Kinyarwanda, c'est en anglais. Donc, tu peux lire, tu peux voir ton code que tu peux utiliser aussi online. Quand tu mets online www dans le web de Rwanda Biomedical Center, tu as juste besoin de ton numéro de téléphone et le code que tu as reçu sur ton portable pour avoir accès au certificat de vaccination, au certificat du test COVID que tu viens de faire. Et tu peux aussi imprimer et envoyer à l'autre personne, envoyer à l'agence de voyage si c'est fait pour voyager. Et puis, vous voyez, c'est aussi ça a un barcode qu'on peut scanner et aussi authentifier, par exemple, dans les points of entry, les frontières, les aéroports. Tu peux scanner, authentifier parce que tout est lié, tout est dans le même système, tout le monde a accès avec les autorités compétentes et qui ne sont pas seulement les médecins, c'est aussi les gens, des agents de l'immigration, ça peut être les agents d'autres secteurs avec qui on travaille dans cette riposte, et c'est authentifié et puis les mouvements sont facilités. On n'a pas une personne avec un registre en train de chercher le nom de Ménélas s'il a fait le test. Avec ces barcodes qu'on peut faire facilement avec les Android Phone, le mouvement est beaucoup plus rapide dans les aéroports, dans les gares, dans les institutions. Et la personne est contente. Et aussi, il n'y a pas de grandes lignes, des gens qui vont attendre pour passer d'une institution ou d'un endroit à un autre. Aussi, c'est lié, comme je viens de le dire, l'interopérabilité avec ton système est très poussée. Le même système qu'on dit DH2 COVID Happy Unicode, tu peux aussi lier avec, par exemple, le mouvement des conducteurs de camions commerciaux qui traversent de pays à l'autre, de la Tanzanie au Rwanda, du Rwanda au Congo. Tout ça, c'est partagé en temps réel. Tu peux conduire un camion pour distribuer le riz dans un autre district, dans une autre frontière. Mes mouvements, c'est beaucoup plus rapide parce que tout ce que j'ai fait à un endroit de départ, c'est facilement visible dans les zones de transit. Les frontières, c'est aussi visible à destination. S'il y a un problème, of course, s'il y a un problème, c'est géré à temps aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui va tester négatif, il va avoir des positifs. Et tu attends les gens qui vont faciliter tes mouvements ou bien tu croises les gens qui vont gérer ton cas de plus rapidement, plus efficace, avec une satisfaction beaucoup plus poussée. C'est aussi visible online, comme je viens de le dire, sur le website de Rwanda Biomedical Center. C'est aussi partager avec les gens qui gèrent le système de passenger locator form, qui va trouver les gens qui sont testés avec les modalités. Si ce n'est pas la modalité qu'il faut, c'est corrigé à temps. Et ça, c'est les solutions numériques qui ont facilité le mouvement des gens et aussi augmenté le contentement des gens qui étaient aussi difficiles pour les gens. La psychologie de COVID, c'est les gens, c'était quelque chose de très difficile. Alors, problème et enseignement tiré, l'utilisation est rigoureuse des données des technologies pour les décisions. Les décisions sont à temps, sont faites à temps, et ça répond à la question réelle qui existe. Et tu peux t'auto-évaluer pour voir si la décision que tu as faite, c'est la bonne ou pas. Nécessité de dire, tu peux aussi collaborer avec d'autres partenaires, tu n'es pas isolé. La riposte, c'est multisectorielle. Donc, ça enfonce les liens entre les gens. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour voir l'autre dans l'autre bureau ou dans l'autre institution. Vous avez une plateforme qui vous unit et en temps réel. Et l'adaptation de la réponse en fonction de certains problèmes
Android, par exemple, je viens de dire que c'est très facile pour quelqu'un qui apprend la COVID-19 des fois en mobilité. Tu n'es pas dans un bureau, tu es assis sur le terrain. Donc, c'est facile. Et vous connaissez la pression qui peut se trouver sur le terrain. Tu n'as pas besoin de te connecter avec des grosses machines, avec ton téléphone. Tu as accès à l'information qui facilite la tâche que tu fais dans le terrain. L'utilisation des numéros de clients ou d'un code identifiant de laboratoire, c'est vraiment très unique, c'est vraiment très apprécié et c'est visible sur toute l'étendue du territoire. Étant à Berlin, je pouvais me connecter avec mon téléphone et mon code pour avoir accès à mes informations de COVID, de tests et autres choses en temps réel. Et ça, l'importance capitale du soutien et de l'engagement des utilisateurs qui sont contents de ces solutions numériques qui facilitent la tâche aussi aux gens qui doivent donner les services sanitaires en temps de la pandémie COVID. Je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à mon très cher collègue Hassan, qui est le directeur du programme de vaccination au Rwanda. Hassan, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, docteur Ménélas. C'est vraiment très facile pour moi de faire ma présentation parce que tu as finalement tout parlé. Donc, ça sera très facile. Donc, pour moi, je vais vous donner un aperçu sur le suivi en temps réel de la vaccination contre la COVID au Rwanda. En tout cas, le système de suivi en temps réel, ce n'est pas quelque chose de très nouveau au Rwanda. Parce que, on avait le même système même avant COVID, on l'utilisait pour la vaccination de routine. On avait commencé en 2019, on avait commencé avec les bébés, comme vous le savez, nous vaccinons les enfants de moins de 2 ans. Donc, on avait pensé juste, et même avant avant cette pandémie, de faire la numérisation des données de vaccination. Et avec la vaccination contre la COVID, en fait, on a eu vraiment l'expérience. Avec cette expérience, nous avons aussi avoir, nous allons aussi pouvoir renforcer le système qu'on avait déjà pour la vaccination de routine. Donc, je vais vous parler sur le DHS2 et surtout, je vais vous parler aussi comment on utilise le système avec la vaccination contre la COVID. Donc, comme je viens de le dire, on avait commencé à utiliser le DHS2 en 2012, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau, mais on l'utilisait pour le rapportage mensuel. Et en 2019, on a commencé à voir comment on peut aussi introduire le système dans le système de vaccination. Et on a pu aussi l'utiliser pour la collecte des données individuelles des enfants vaccinés. Et c'est un système qu'on utilise dans les établissements de santé privés et publics, dans les 48 hôpitaux, 515 centres de santé et 307 établissements privés. Et nous avons aussi les procédures normalisées, ce que les Anglais appellent les SOPs, Standard Operation Procedures. Et comme je le disais, on avait commencé à utiliser le système en 2019. Pour le moment, donc nous attendons chaque année 370 000 enfants pour la vaccination de routine. Donc, le système a été, on a commencé à utiliser le système pour la vaccination contre la COVID en mars 2021, quand on avait commencé la campagne de vaccination contre la COVID. Donc, au Rwanda, la couverture de vaccinale contre la COVID est vraiment très élevée. Le slide que vous voyez ici, donc sur le diapo, vous voyez les gens qu'on a déjà vaccinés avec la première dose et la deuxième dose. Mais je dois vous dire que le slide n'est pas vraiment mis à jour parce que ce sont les données ce sont les données qu'on avait déjà au mois de février. Ce sont les données qu'on avait au mois de février. Sinon, pour le moment, la couverture vaccinale est très élevée. On a déjà 63% des gens qui sont complètement vaccinés.
Et quand tu vois la première dose, donc pour la première dose, nous sommes vraiment presque à 70%, parce que nous avons autour de 69%. Et au mois de décembre, on a commencé aussi à donner la dose de rappel. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 25%. Et comme vous le voyez sur le diapo, donc la photo à gauche, en fait, donc ce sont les informations que nous publions chaque jour, qui sont les informations qui sont données à la population générale. Donc vous voyez que nous informons à notre population combien de gens qu'on a testé, combien de gens qui ont été positifs, combien de gens qui sont décédés par la COVID. Combien de tests déjà effectués, mais également nous informer notre population combien de gens qui sont vaccinés pour la première dose, la deuxième dose et aussi dose de rappel. Donc, rendre aussi cette information, ça nous a aidé parce que ça nous a permis aussi de gagner la confiance de notre population et c'est que ça nous a aussi aidé à mobiliser les gens pour la vaccination parce que dans les différents districts, en fait, les gens voyaient que ce n'est pas seulement un seul district ou un seul secteur qu'on encourage à être vacciné. Donc, c'est automatique parce que les gens vraiment voyaient que dans tout le pays, nous sommes en train de vacciner. Donc, pour quelqu'un qui est intéressé, il peut toujours avoir les données de vaccination du Rwanda en visitant le site web de Rwanda Biomedical Center, www.rbc.com. .gov.rw. Ce diapo aussi veut vous montrer donc l'équité géographique. Au Rwanda, nous avons 30 districts et vous voyez la couverture vaccinale pour la première dose, deuxième dose et troisième dose pour chaque district. Ce sont les données qu'on peut avoir chaque jour parce que, comme Dr Menelas vient de le dire, en fait, l'utilisation de ce système qui nous donne, qui nous permet de faire le suivi en temps réel, c'est très important. Ça vous permet de voir vraiment les données qui sont réelles et à temps. Et ça vous permet aussi de prendre les décisions. Quand il y a quelques districts qui vraiment montrent la couverture vaccinale qui est très basse. Et donc, ça nous fait une idée de faire la descente et voir ce qui se passe dans le district. Et ça nous permet aussi de voir combien de doses qui sont là. Comme ça, tu peux même les déplacer vers les districts où on utilise beaucoup plus de doses. Ici, c'est le centre de vaccination qu'on avait installé à Kigali. Et pour le moment, c'est fermé, c'était temporel. Et donc, ces centres nous ont permis de vacciner beaucoup de gens à la fois parce qu'à un certain moment, on vaccinait plus de 5000 personnes par jour. Donc, ici, c'est l'un des centres de vaccination qu'on avait installé à Kigali où on vaccinait les gens venant de différents établissements et de la population générale. Et le système qu'on utilise pour le moment, donc comme on l'a dit, donc c'est la même plateforme que le DHS2. Et ce qu'il faut, il faut d'abord ouvrir le système. Et puis, vous voyez à gauche, il y a vraiment des parties. La première partie, ça concerne les informations relatives aux clients. Et il y a une autre partie où on enregistre donc les données concernant le vaccin en soi. Donc, si c'est la première dose, la deuxième dose, la troisième dose. Mais aussi, on fait entrer dans le système le numéro de l'eau du vaccin. Et aussi, on prend l'histoire du patient, donc du client, s'il a été, diagnostiqué auparavant comme un passé de COVID. Comme ça, ça vous permet aussi de prendre la décision si le client est éligible à un tel vaccin.
Après la vaccination, donc quand on a appris tous les détails concernant le client lui-même et aussi les informations relatives au vaccin, donc le client reçoit directement un SMS donc, qui dit merci d'utiliser notre service de vaccination. Le code est le suivant, donc on vous donne le code et c'est le même code que vous allez utiliser pour avoir accès à votre certificat de vaccination. Et en même temps, pour que tout le monde soit à l'aise avec ces données, donc il y aura aussi le code qui est directement généré par le système. Ce code, il est unique, et il est envoyé par SMS aussi au client. Donc avec le code et aussi le numéro de téléphone, c'est très facile d'avoir l'accès à votre certificat. Ici aussi, c'est le circuit des clients qui viennent se faire vacciner dans un centre de vaccination, là où vous montrez votre donc au prestataire, donc le data manager, le gestionnaire des données, votre numéro de téléphone, ou si c'est la deuxième dose que vous venez, donc si vous venez prendre la deuxième dose, vous pouvez aussi montrer le SMS. Donc, de la première dose que vous avez reçue, comme ça, il sera très facile de vous identifier en utilisant le code et le numéro de téléphone. Donc, vous êtes enregistré. Après l'enregistrement, vous passez dans la salle de vaccination. Après la vaccination, dans la salle d'observation. Et puis, vous pouvez partir avec le SMS. Et si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez avoir directement l'accès à votre certificat. Donc, le diapo suivant, ça nous montre à quoi ressemble donc le certificat de vaccination. C'est très facile parce que tout le monde qui a accès à l'Internet en utilisant soit le téléphone portable ou un ordinateur. Donc, tu peux avoir accès à votre certificat. Ce qu'on vous demande votre numéro de téléphone et le code que vous avez reçu quand vous avez été vacciné pour la première fois. Et puis, vous avez directement l'accès à votre certificat de vaccination. Donc, ce certificat de vaccination est le mien. Comme vous le voyez, donc, je suis complètement vacciné, hein, donc avec une dose aussi de rappel. Comme l'a expliqué Dr Menelas, donc, notre certificat pour éviter les fraudes qui peuvent... Donc, vous voyez, donc, les gens peuvent forger aussi le certificat de vaccination. Donc, il y a le QR code qu'on peut scanner en utilisant même votre téléphone. Et quand vous scannez, ça vous fait directement, ça vous donne l'accès à notre système. Et donc, sur notre système, vous ne pouvez pas avoir l'accès à toutes choses qui sont dans notre système. Donc, il y a l'extension ici, c'est XA0458. Donc ici c'est mon code de vaccination. Avec ce code, donc vous pouvez avoir seulement accès à les données de quelqu'un à qui vous avez scanné le certificat de vaccination. Et quand vous allez sur le lien ici, vous avez directement accès aux détails donc de vaccination, première dose, deuxième dose, troisième dose, la date où vous avez pris aussi la dose. Mais également, vous avez aussi le numéro d'identification. Donc, ici, c'est le numéro national de notre carte d'identité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forger n'importe comment. Et en même temps, ici, vous voyez en couleur verte, donc, il y a le COVID-19 vaccination verified. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est authentique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut forger donc, ce certificat de vaccination. Donc, merci. Donc, c'était en bref, vous montrer donc, ce qu'on a fait pour la vaccination contre la COVID, mais aussi nous avons été inspirés par le système qui était là pour la vaccination d'origine. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à mon collègue Adolphe de HISP, qui nous a aidé beaucoup à mettre en place tout ça. Donc, sont nos partenaires. Adolphe, à vous la parole. Merci Hassan. Bonjour tout le monde et bon après-midi. Moi, c'est Adolphe et je vais de HISP Rwanda.
Je pense donc que ma présentation ne va pas être longue parce que donc plus que tout a été dit par ce qui a aussi été présenté avant moi. Parce que donc moi, techniquement, je vais essayer de vous partager notre parcours, quelques défis et soucis, et aussi des enseignements à apprendre. Sans tout tarder, ici, c'est pour vous donner un aperçu si donc le HIS Rwanda, c'est quoi. Donc, c'est l'un des membres du réseau mondial du HIS, donc qui appuie techniquement les pays, les programmes dans l'adoption du DHSD pour le système d'information sanitaire. Donc, comme le HIS Rwanda, à part, donc on appuie quelques nombres de pays et avec le Djibouti, on va commencer avec d'ici juin 2022. Donc, le Rwanda, comme ceux qui ont commencé, le Rwanda a déjà commencé avec le DHSD depuis 2012. Et donc, c'est en 2020 que, donc, si j'essaie d'être bref, donc, on a commencé l'usage des applications Android, surtout pour le traquer COVID et aussi la vaccination COVID. Mais avant, donc, comme Hassan vient d'expliquer, le pays a déjà commencé l'usage du DHS2 pour l'enregistrement, pour appuyer la vaccination de routine, pour enregistrer les enfants vaccinés tout au cours du calendrier de vaccination de routine. Le DHS Rwanda a été utilisé ici dans beaucoup de choses, mais ici je vais focaliser uniquement sur l'usage du DHS2 dans l'enregistrement ou bien dans la surveillance des cas COVID et aussi dans l'appui à la gestion des personnes vaccinées. Surtout, si j'essaie un peu de retourner un peu sur la partie dans la gestion des cas COVID, le slide ici essaie de résumer la configuration et aussi comment le DHSD a pu être configuré pour appuyer la gestion des cas COVID et aussi le partage des données à tous les partenaires. Surtout ici, dans la gestion des cas COVID, comme ceux qui ont présenté avant moi, donc il y a la partie pour le formulaire de localisation des passagers, tous ceux qui vont voyager au Rwanda. Il y a aussi la partie des HSD ici paramétrée à part d'autres variables. Donc ici, dans des HSD, vous pouvez donc capter les identifiants uniques de la personne et aussi collecter les informations en rapport des examens de laboratoire, que ce soit PCR et test rapide, et aussi collecter les résultats de la part des laboratoires qui ont testé et aussi faciliter la distribution des messages courts pour les résultats et autres. Donc, avec ce paramétrage, le DHS a été adapté pour aussi distribuer ou donner les informations aux gens qui font, que ce soit la distribution bien les ventes des tickets quand il s'agit peut-être des événements sociaux ou bien aussi les hôtels qui dans l'OTAN utilisaient comme les quarantines pour que donc les gens en quarantine puissent facilement avoir leurs résultats et que les gens qui sont chargés de gérer les quarantines avoir les informations des résultats. Donc ça pour faciliter aux occupants. Aussi, tout au cours de l'implémentation, et aussi pour faciliter l'identification des personnes, surtout pour les nationaux et aussi les gens qui sont au Rwanda, on a pu intégrer l'application avec le registre national de la population, là où on peut trouver donc, les informations démographiques de tous les Rwandais et aussi et tous les gens qui habitent au Rwanda. Et aussi, on a pu aussi faire l'interopérabilité avec les applications, donc avec le système dans la région. Comme vous le savez, le Rwanda est un pays enclavé, donc tous les achats, donc ça vient de l'extérieur, donc je dis l'importation.
Donc, ça passe par beaucoup de pays, que ce soit Rwanda, Tanzanie, et Burundi et RDC. Donc, il faudrait aussi créer des interfaces pour faciliter les échanges des informations en rapport des résultats COVID des gens qui vont voyager dans, les pays. Aussi, donc, je vais être rapide parce que donc, presque tout a été parlé par les autres présentateurs qui ont présenté avant moi. Donc, concernant donc, la gestion des services de vaccination contre la COVID, aussi, on a pu paramétrer en collaboration avec le programme de l'Élargie pour la vaccination, aussi gouvernement rwandais, pour collecter toutes les informations en rapport des informations, mais aussi d'identifier les personnes à vacciner et aussi collecter ou bien notifier les informations en rapport des doses administrées. Et on a aussi, l'application permet aussi de partager les informations à travers une interface standard, les informations en rapport de l'état de vaccination des individus. Donc, aussi, les gens peuvent aussi eux-mêmes vérifier à travers le code USSD leur état de vaccination, que ce soit, à quiconque qui demande ces informations et que ce soit peut-être l'individu qui peut lui-même vérifier son état de vaccination. Concernant la couverture de l'application, ici je ne vais pas étarder parce que Hassan est docteur du service de surveillance épidémiologique a déjà parlé de ça, donc je vais y passer tout de suite. Peut-être je vais ainsi insister sur ça concernant donc les facteurs clés de la réussite. Et donc, le DHSD est un outil facile à gérer, facile à adapter au contexte du pays, mais aussi y a les modules déjà développés, approuvés et aussi revus par, donc, que ce soit l'ONS, que ce soit Gavi et autres partenaires, donc, nous a permis de bien adapter très rapidement et répondre aux besoins des pays. Et aussi avoir la volonté du gouvernement et aussi des programmes et partenaires à l'usage de DHSD pour répondre aux besoins des données et la numérisation des services, que ce soit de la surveillance COVID et aussi que ce soit de la gestion et de l'enregistrement des personnes vaccinées. Et aussi l'autre facteur, c'est avoir une équipe si je peux dire, multidimensionnel ou multisectoriel. Comme vous le savez, la gestion d'une épidémie ou bien c'est la gestion des campagnes, ça ne devrait pas être donc une activité du programme Élargie pour la vaccination. Donc, c'est avoir une équipe multisectorielle aussi facilite la réussite ou bien c'est l'usage de l'outil. Et aussi, l'autre facteur, c'est avoir l'équipe technique. Et comme on a expliqué avant, donc, le DHS a été utilisé au Rwanda depuis 2012. Donc, il y avait cette expérience dans tous les niveaux du système pour faciliter l'adoption de l'outil et aussi simplifier l'usage de l'outil dans tous les niveaux. Et aussi la disponibilité de l'Internet, ou bien de la couverture Internet dans tous les pays qui est, si je peux dire, à un pourcentage de 85, ça a aussi facilité l'adoption et l'usage de l'outil de la technologie. Donc, la numérisation de n'importe quel service est très important, surtout si c'est la digitalisation, il faut avoir la couverture assez importante pour d'Internet. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vois des messages qui donc il y a des copies. Non, on vous entend bien. On vous entend bien, Adolphe. Ok, merci.
Concernant donc comme les conseils pour comme les bonnes pratiques à suivre. Donc ici, j'essaie d'être un peu plus technique pour les gens qui vont adopter le DHS, que ce soit pour les campagnes de vaccination, que ce soit pour d'autres visages. Il faut penser au flux d'informations, il faut penser au nombre d'utilisateurs, il faut penser à la connexion, il faut penser au nombre de personnes que vous voulez peut-être joindre. Ici, tous ces facteurs-là vont vous dire ou bien vont vous recommander les spécifications, que ce soit des serveurs, si vous allez avoir un serveur à part pour le DHS et proxy, que si vous voulez avoir un serveur à part pour uniquement gérer la base de données, et aussi un serveur à part, par exemple, pour appuyer les analyses qui peuvent se faire à n'importe quel moment. Et donc, ça, ce sont des facteurs à considérer, surtout si vous voulez réussir avec le DHS2. Donc, il peut pas y avoir aucune technologie sans souci ou sans difficulté. Je vais essayer de partager avec vous quelques difficultés rencontrées ou bien problèmes. Donc, même si on dit que le DHIS est très facile à utiliser, donc toutes les fonctionnalités ne sont pas testées. Donc, il faut tester bien avant. Même si il faut tester bien avant, il faut avoir l'appui technique des personnes bien expérimentées pour techniquement vous appuyer et aussi évaluer les configurations, évaluer les paramétrages déjà faits avant la mise à l'échelle. Il faut donc ça peut limiter quoi que ce soit les soucis et les difficultés qui peuvent se surgir à n'importe quel moment tout au long de l'adoption ou bien de la mise à l'échelle du système. Je vais aussi essayer de rebondir donc sur ce qui concerne la configuration. La configuration des serveurs est très importante. Donc, avant, parce qu'on n'a pas, au commencement, on a un peu sous-estimé l'usage et après, on s'est rendu compte qu'il faut essayer de séparer les serveurs pour mieux appuyer ou bien répondre aux flux d'informations. Et aussi, il y a eu des difficultés dans la synchronisation des formats, surtout quand on fait l'usage de l'application Android. Mais ça aussi, c'est autour de la façon dont vous avez paramétré votre application. Donc, ce qui veut dire que... je ne sais pas, il y a quelqu'un qui bouge là. Donc, les slides. Donc, ce qui veut dire que chaque fois... quand vous faites la configuration, il faut penser en avance si ça serait une application que vous allez peut-être utiliser sur la partie web ou bien sur la partie Android, et ça va vous dicter les paramétrages à faire. Et aussi, avec le DHS2, il peut y avoir des soucis, surtout dans la recherche des individus déjà enregistrés. Ce qui a fallu, donc, par exemple, dans le cas du Rwanda, Rwanda a enregistré au moins 200 000 personnes. Ici, je fais référence au cours de la campagne de vaccination COVID. Donc, il y a des jours où on a enregistré autour de 200 000 personnes par jour. Et aussi, ça a rendu un peu donc, le serveur un peu lent. Et donc, en se rendant compte de ça, et c'est au moment-là où on a commencé à voir, on a exploré les différentes options pour répondre aux flux d'informations. Et donc, aussi, il faut aussi désactiver certaines fonctionnalités pour ne pas payer, donc, pour ne pas... si je peux dire fatiguer donc le serveur pour ne pas fatiguer l'application.
et aussi essayer de limiter le nombre de rapports et le niveau d'accès des utilisateurs. Quand vous paramétrez l'application, il faut aussi penser et eux aussi essayer de différencier l'erreur des utilisateurs pour éviter que les gens qui vont faire la saisie ont, par exemple, pendant la saisie, ils n'ont pas besoin d'avoir l'accès aux applications d'analyse. Et jongler dans ces aspects pour essayer de faciliter les utilisateurs. L'autre problème, c'est aussi quand on faisait l'interopérabilité avec les applications via le système des organes de la région, et aussi l'aspect sécurité donnée, c'était un aspect que souvent, quand il y a des accords dans l'échange des informations, et il n'y a pas directement la disponibilité des protocoles pour la gestion de sécurité des informations individuelles. Ça est aussi, c'est l'un des problèmes qu'on a rencontré, surtout, même si c'est politiquement, il y a un accord d'échange d'informations, mais au niveau de la sécurité d'informations individuelles, ce n'était pas prévu en avance, mais ça, c'est toujours fréquent dans les épidémies comme ça. On essaie d'échanger les informations pour anticiper ou bien collectivement dans la région, échanger les informations en rapport des épidémies, mais aussi, il faut penser aussi à la sécurité des données individuelles. J'essaie d'être rapide. Concernant les enseignements tirés dans cet appui, cette collaboration avec le ministère de la Santé, avec du Rwanda et aussi avec les partenaires, et nous avons constaté que toutes les fonctionnalités n'ont pas toutes été testées à grande échelle. Donc, il faut aussi penser à ça. Donc, comme toute solution technologique, il y a des aspects qui ne sont pas encore testés en avance. Donc, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à quelques soucis, mais toujours il y a des solutions. Il faut le réseau HISP est toujours là pour toute assistance technique, que ce soit les programmes, que ce soit les pays qui adoptent le DHS2 pour la surveillance, que ce soit pour appuyer les campagnes. L'assistance technique est déjà là, que ce soit sous l'appui du Fonds mondial ou bien du Gavi. Donc, cette assistance est là. Il y a aussi l'autre enseignement tiré, c'est qu'il y a toujours les bugs, donc je viens de parler de ça. Et l'autre enseignement, il faut aussi réduire au maximum l'utilisation des objets de tableau de bord liés aux événements. Parce que le DHIS vous donne donc l'application qui peut vous donner l'aperçu direct des informations en temps réel. Donc, quand vous donnez cette fonctionnalité à tout le monde, ça va aussi jouer beaucoup sur le comportement de l'application. Ce qui veut dire qu'il faut catégoriser les utilisateurs, il faut aussi gérer et donner beaucoup d'attention au rôle et aussi au niveau d'accès que vous donnez aux utilisateurs. Et aussi l'affichage de la liste des personnes enregistrées, surtout sur le tableau de bord de chaque utilisateur, il faut aussi limiter ça et donner ça aux gens qui sont réellement besoin de ça. Il faut aussi, quand vous planifiez à utiliser le DHIS ou bien adopter toute technologie, il faut aussi penser aux ressources. Et donc, il faut avoir planifié votre ressource en fonction de l'usage et aussi au flux d'informations. Si, par exemple, vous avez un target d'enregistrer ou bien de vacciner 10 millions de personnes, donc, il faut aussi penser au côté serveur, côté application, pas uniquement au nombre de doses, tablettes, etc. Il faut aussi penser au côté serveur, si donc vous disposez d'un serveur assez performant pour gérer et tout ça. Et il faut aussi avoir une équipe d'assistance technique.
que ce soit, comme je disais, donc l'assistance technique de Hispela, mais il faut aussi techniquement penser à l'équipe technique au sein de l'unité de coordination. Ici, je donne l'exemple au Rwanda. Donc, parmi l'équipe de coordination, il y avait, si je peux dire, une section uniquement chargée, ou bien qui est une équipe des techniciens chargés du jour au jour de suivi du côté technologie et du côté données, chargés d'appuyer les autres unités ou bien des autres volets à tout ce qui concerne l'application ou bien la technologie. Donc, je ne peux pas finir sans tout dire que donc, le DHS ne peut pas, donc le DHS peut aussi être adopté ou bien réadapté à appuyer la digitalisation ou bien la numérisation d'autres services de vaccination, que ce soit les campagnes de vaccination de masse, que ce soit ceux qui organisent donc, les campagnes de vaccination contre polio, et aussi d'autres vaccinations systématiques, que ce soit organisées au niveau national ou bien au niveau des zones spécifiques. Je vous remercie. Donc, comme il n'y avait pas assez de temps pour entrer dans beaucoup de détails, mais je pense que donc, la présentation va être partagée bientôt. Et je pense qu'il y aura aussi le temps des questions-réponses. Je retourne la parole à la chère Karine pour gérer la session qui laisse. Merci. Merci beaucoup, Adolphe. Merci à tous les présentateurs. En fait, je vais juste donner la parole à Dr. Emmanuel de l'UNICEF parce qu'on avait manqué votre diapositive. Donc, je la reprends. J'espère que vous êtes prêt, Emmanuel, pour donner un petit peu la perspective de l'UNICEF au niveau du beau pays du Rwanda. À vous, Emmanuel. Je vous mets la diapositive. Thank you so much, Karine. Should I speak in English? Because I'm not very good in French. It's been a while without using French, so I need to speak in English. Is that okay? Yeah, it's okay. You can just go quickly and people will read. So Dr. Emmanuel va juste parler en anglais un tout petit peu, mais vous avez tout écrit en français. Et après, on fera la clôture. You can go ahead, Dr. Emmanuel. Okay, thank you so much. Thank you so much. Most of the things that we do with the government of Rwanda here have been said. But to say, for UNICEF, we support different innovations, digital health. To start with is the rapid SMS that was supported since 2009 and scaled up and expanded in 2013 and was covering the national level. So it's completely owned by government. And now we've moved to Rapid Pro. Rapid Pro is a new, more comprehensive or robust communication tool. And it deals with the community health workers reporting and then monitored by the health centers, by the hospitals, and then the central level, they have what they call the community health desk. So we are in the process of scaling up Rapid Pro. We also been supporting the development of the EMR. There was EMR, but that one was only for billing and HIV. So some years back, we supported upgrading it to include RMNCH, all the modules for RMNCH, including adolescent health. And this was in for scaling up, and then the government changed to a new full digitalization of comprehensive digitalization of health services. So this one, we are now working to see how it can be scaled up. It is installed in all hospitals, but it's yet for scaling up. To say there are indicators that both for immunization that are both for EMR at health facility, but also for rapid SMS for community. Recently, we also supported the upgrade of DHS2, working with HISP,
the upgrade of DHS2 with three key applications, the scorecard, the bottleneck analysis, and the action tracker. So there has been training conducted, and we wait now to train the district test team so that it can be scaled up. This one is also in plan. We've been working with Minister of Health and this HQ to also install the e-tracker for immunization, for routine immunization, which Hassan explained well. So we also worked on that together. But maybe what I can give in summary is that to support these initiatives, it requires, first of all, ownership by government. You should have somebody or a team that is leading an initiative. You bring all partners together. You form functional coordination functions with the different institutions in government and partners, including development partners, such that when you implement it, you scale it up at national level. If you have it working very well in a very small area, then it will not create an impact. It requires everybody involved. I mean, the different partners, the different NGOs on the ground, the government institutions, but works much better when it is led by the government. Ours also has been trying to put the different partners on board to supporting the different initiatives to make them work. I told you, we are planning to implement a rapid pro, but it requires us bringing together different partners to know who is ready to support, to bring in resources, capacities, be it finances or human resources. So except if any question, but summary, that's what I can tell you. Thank you so much. Thank you, Dr. Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, je vais juste venir à la conclusion. Je ne sais plus si on n'aura pas le temps de faire en direct, en live, les questions-réponses, mais on a déjà répondu à beaucoup de questions par écrit et on va, pour les dernières questions qui restent, on vous enverra par email le reste des réponses ainsi que les présentations. Le lien pour la vidéo et j'ai mis dans le lien chat, dans le chat, j'ai mis le lien du site de Gavi où vous allez avoir toute la documentation sur technique sur ces interventions de suivi en temps réel. Donc en français pour l'instant, il y a le document du briefing technique, de la note technique du Rwanda et le guide pour établir un système pour le suivi en temps réel, en français, sera posté la semaine prochaine. C'est toujours le même lien, donc il y aura juste à repartir vers le site. On n'avait pas tout à fait fini la traduction et la mise en page. Et en attendant, il y a les documents qui sont en anglais. Voilà, donc je voulais vraiment remercier donc tous les présentateurs parce que vraiment c'était intéressant et j'avoue qu'en français ça rendait très bien. Je voulais Raquel a listé hein, tous les présentateurs, plus on voulait aussi lister ceux qui avaient travaillé, qui ont fait le travail de fond donc avec les collaborateurs d'UNICEF. Et quelque chose de très important, je voulais remercier tous les gens qui étaient présents. J'ai vu beaucoup de monde, j'ai reconnu beaucoup de noms. Je n'ai pas pu vous écrire à tous, mais que ce soit en RCA, en RDC, Madagascar, au Tchad, au Cameroun, il y avait des gens de beaucoup de pays francophones. C'était très bien. Donc, faites passer le message, circulez les diapositives quand vous les recevez, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à toute cette expérience partagée généreusement par le gouvernement du Rwanda et ses partenaires. Et du coup, aussi, vous souhaitez, n'hésitez pas à contacter donc, les partenaires OMS, UNICEF, ISP, Gavi, pour, si vous avez dans vos pays des besoins pour les campagnes de COVID-19, pour les autres campagnes de vaccination. On est là, on est disponible et vous avez eu beaucoup de liens tout au long de la présentation. Donc voilà, je vous remercie et passez une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de là où vous êtes. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, merci, merci aussi. Merci Karine. Bonne journée. Merci à vous. Merci et à très bientôt.